bonjour à tous. Alors, je suis en ville, j'y suis pas souvent, mais là, j'y suis pour 3 jours avec Andrew qui est là, dans le bureau de Calaouette à Palangkaraya. Ici, pour chercher un assistant. Donc aujourd'hui, on va faire toutes les interviews des candidats pour trouver un assistant. Comme ça, quand je suis en forêt, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui peut me représenter pour tout ce qui est la paperasse. Et enfin, ce que j'aime pas faire, vous l'avez compris. Voilà, donc je vais passer toute la journée à faire des interviews en espérant trouver la bonne personne. Et on vient de terminer les interviews. Je crois avoir trouvé le bon candidat pour devenir mon assistant. Et on vient de recevoir un appel au bureau pour aller récupérer un petit gibbon qui se trouve actuellement au bureau du département des forêts. Donc voilà, encore un imprévu. Et mon caméraman, ça va être Andrew aujourd'hui. Go! Tahan. Ya, lepas. Kan tariknya kayak cepat. Ini tariknya itu ya, panjang kan? Panjang. Tua deh. Donc ça. Badannya kayaknya c'est un petit gibbon. En fait, c'est un gibbon adulte, mais il est tout petit, il a simplement souffert de malnutrition et c'est assez surprenant parce que on a été appelé pour un gibbon de 2 à 3 ans, alors c'est un gibbon qui a plus de 7 ans, mais il est tout petit à cause de la malnutrition. Donc là, son état de santé m'inquiète un peu parce qu'il est vraiment tout petit et trop maigre, tout petit pour son âge, c'est un gibbon adulte alors qu'il fait la taille d'un gibbon de 3-4 ans. Donc on n'était absolument pas équipé pour aller récupérer un bébé gibbon, pas de produits anesthésiants, c'est pour ça que j'ai dû l'attraper à main nue. Mais c'est vrai qu'avec un gibbon même si petit, mais qui a déjà des crocs de plus de 2 cm, c'est quand même il y a quand même un petit risque, c'est pour ça qu'on l'attrape de manière assez ferme, mais pour éviter une blessure et surtout pour que ça aille vite. Donc maintenant il va rester au bureau pendant 2 nuits et puis ensuite il va nous suivre à Mora TV. C'est parti pour 8 heures de route, je le mets à l'intérieur pour pas qu'il souffre de la chaleur puisqu'il y a la clim, mais on le ferme complètement pour limiter le stress. Et ça va être un voyage en famille. Andrew, t'as fait de place? Ok. You ok?
Jura Sumatra. Le temps de rentrer à la maison et de retrouver Puma et Tania. Je pense qu'ils vont être contents. Puma, Tania. Puma. Hey, Puma. Tanya, Nyara. Ayo, Tanya. Eh, Puma.